Salut amis gamers, amis gamers, ici Emilac pour X-Factory. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty World War 2 pour continuer notre mode campagne en vétéran. Donc là on vient de finir la mission Colline 493 et on va commencer la bataille des Ardennes. Donc c'est ce que j'avais raconté dans des missions précédentes. C'est une des dernières contre-offensives allemandes pour essayer d'endiguer... En tout cas d'enrayer l'offensive de l'Ouest par les Américains, les Anglais et les Français aussi, puisque là ils marquent pas, mais il y a aussi des Français. Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël, nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes en Belgique. Il fait tellement froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Voilà, donc comme le dit Daniels, Turner est mort donc dans la mission d'avant. Une mort héroïque, mais bon, qu'on a déjà vu sur Call of Duty malheureusement. Et on est passé aide de camp, donc ça va chier pour nous, je pense. Parce qu'il va falloir suivre les ordres de Pearson, qui est le gros enculé de l'escouade. C'est le même sapin que l'événement siège d'hiver, j'ai l'impression que Call of Duty, qu'on vient de voir. Comment foutre l'ambiance. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Bon, j'espère qu'elle sera moins difficile que la mission d'avant, parce que la mission d'avant, j'ai un peu dégusté. Je sais pas si c'est l'alcool qui boit encore, mais. Le mec, il arrête plus quoi. Ah, je pense que c'est de l'eau quand même. On voit que ça fait plusieurs. Ça fait un petit moment qu'ils sont là. Avec les balles au sol et tout. Ça ressemble à la mission d'avant, j'aime pas du tout. Je crois qu'il y a des trucs à prendre ici. En plus là on voit rien, il y a un sacré brouillard. Donc il y a une ligne de défense assez... Je dirais pas élaborée, mais assez étendue. Comme c'est... Ils ont pas l'air d'avoir l'habitude. C'est vrai que ça aurait été les Russes, là. Des munitions.
Je prends le heal. Hein. Vous avez vu, je vais en avoir besoin. Ça, je l'ai pas eu. Merde. Il casse les couilles. Pas qu'il s'enfuit. C'est bon. Voilà, on sait jamais s'il fait venir des gens. J'avais un Garand et un Lee Enfield. Bon, c'est pas mal comme arme. Là, ça commence à. Faut que je vois si je trouve pas du heal en même temps, on sait jamais. Parce qu'à mon avis, je vais en avoir besoin. Je sais pas si je parle assez fort. Ça serait bien qu'on puisse trouver. Allez, c'est parti. À mon avis, on va. Bon, bah, c'est pas à mon avis, c'est même si on va avoir une sacrée embuscade. Ah ah. Oh putain. Putain, je peux pas sauter ça. Si Zuzman est à côté de moi, c'est bien. Voilà, ça nous fait. On peut plus. Ça veut dire qu'on peut plus sortir, super. Il a suffi d'une artillerie pour. Putain, il casse les buts, non mais. Ah, y a pas beaucoup de balles. Bah, j'arrive. Oh super. Oh putain. Ok, ça va être chiant. Il y a des ouvertures de partout. L'objectif, ça serait peut-être de les laisser venir en fait. Voilà, je peux rester là, à mon avis.
Putain, ouais, ça va être chaud. Je peux, à mon avis, je peux rester là. Je peux camper ici. Mais je sais pas si. Je vais m'occuper des mecs qui s'enfondent. Putain. Ok, mise à jour l'objectif, point de contrôle atteint, super. Ah ouais, stylé comme ça. Ouh, ça serait cool qu'on fasse une mission avec les avions. Yeah. Ça c'est cool, voilà. Quand on fait des missions comme ça, je suis d'accord. Ça... Non, c'est bon. Après, ça reste basique, hein. C'est pas du War Thunder ou je sais pas trop quoi. Accélérer. On va passer en première ligne. Ce qu'il faut que je fasse là. Il n'y a pas d'objectif particulier, bon. Et bon, j'ai le navire en bas à gauche, à mon avis. Merde. Oulala. Là là. Bon, on va ralentir. Bon, on n'est pas très. On n'est pas très libre. Ah, bien. Ok, 1-2 pour tirer. Oula. À mon avis, ça va être le bordel. On va essayer, on va essayer. J'ai du mal avec les touches inversées. C'est bon. Super. Yeah. Ça devait être. Enfin, ça devait être kiffant, non, pas pour les mecs qui y faisaient, mais c'est vrai que les batailles comme ça. Alors, je sais pas si je porte jusqu'à là-bas. Si, super. Putain, y'a un avion qui me prend en chasse. Putain, je suis une bille avec les trucs. Je suis plus fort sur Battlefront, hein, au niveau avion. Enfin, niveau vaisseau, du coup. On a été touché. Les commandes ne répondent plus. Ah, le bâtard, il s'est... Il a fait le japonais. Ça commence à puer.
Bon, à mon avis, on va pas avoir de bombardier en support. Ce qu'essaie de nous faire comprendre Call of, c'est que tous les bombardiers sont en train de se faire fumer. Ah ok, super. Ouais, lui j'ai déjà pas mal à mocher, on va essayer de le faire. Putain. Ah, comme ça c'est stylé. Oh putain. Ouais, toute la vie que j'ai perdu, sa mère. En plus je peux pas réparer. Ok. Dire que je suis nul. Allez, je vais me faire celui-là. Putain, ils sont chiants. Ok, super. Niveau heal, je suis pas très bien, il reste que deux. Alors pas sans, pas quand j'appuie sur PS, mais à mon avis il... C'est bon, super. C'est bon, on est à 2000 mètres de l'objectif. Merde. Non, non, s'il vous plaît. Ah, putain de merde. Ah, fait chier. Ah, je pense que c'est bon. Ça va. Ils ont pas fait leur pute. Un peu compliqué hein, pour contrôler l'avion. L'infanterie des engins blindés ennemis attaque la 9ème division blindée. À vous. Robert Joe, ici Dagwood, White 5. Ils sont sur nous. Où est notre appui aérien? En attente, Dagwood, White 5. Avion en route à 50 miles. 50 miles, ça fait très loin. Je suis un peu à la barbare. J'ai un peu besoin de vie, Zuzman, je sais pas où t'es, mais... A mon avis, je vais pas. Ah. Zuzman. Te casse pas. Bon, ça va. Ouh, j'ai réussi à survivre.
Bon, ça va, heureusement qu'ils sont bien visibles comme ça. Bon, ça va. Il y a le chat. Je suis sûr que je serais même pas obligé de tirer, enfin, finalement. C'est une mission où... Vu que c'est pas des missions, comment dire... statiques, du coup, on peut faire confiance à nos alliés. Plus ou moins. Ok, bateau retraite. Eh merde. Ça t'apprendra de pas te partir en retraite. Je suis là. Ouais, j'en ai un autre à sauver. Pour une fois que je peux les sauver sans trop. Merde, c'était lui qu'il fallait que je mette là-bas. D'accord. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre, putain. En fait, fallait que je l'amène là-bas. Ok. C'est un tank à eux qui arrive. Alors je vois des Allemands là-bas. À mon avis, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Oh là, ils sont en train de courir. Mais merde. Allez, vas-y, fais-le. Il veut pas. Je mets une fumigène sur nous. Guzman, file-moi. Voilà. Ah oui, ça serait beau, ça. Je crois que c'était fait exprès. Putain, ils sont bons. Meilleur que moi quand j'étais dans la vie. Ah, lui, je l'ai bien lancé. Super. Je suis obligé d'attendre qu'il se rapproche parce que sinon... Ah ça va, super, ça s'est même passé, je les ai bien lancés. À moins que ce soit... Ça fait exprès. Putain. Ah ça fait stylé là, j'aime. Heureusement qu'il est là, Zuzman. J'aime bien ce mec.
Enfin, lui, il est vraiment con. Merde, j'ai plus de balles. Risqué de la part de Pearson. Bon, cette mission est vraiment cool. Ah, je crois avoir fini la mission. Si c'est le cas, elle était cool et pas difficile en plus. Oh, c'est le bordel. Ok, ça veut dire que prochaine mission, mission suicide, il va mettre tout le groupe. Bah, c'était une belle mission. 26 minutes, ça va. Enfin, un peu plus de 26 minutes. Et nous sommes parvenus à repousser les ennemis. Turner. Oh, il était fier de nous. Oh oui. Bref, je vous remercie. Bah, d'ailleurs. Je vais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël, si c'est pas déjà passé quand je la posterai, mais enfin bref. Voilà, joyeux Noël, on se retrouve très bientôt pour la mission 10. D'ici là, ne rage quittez pas et soyez bon joueur. Allez, ciao tout le monde!